des bacs de la société d'assainissement Averda, débordant d'ordures ménagères sur les artères principales de la ville de Pointe-Noire. Le fait est de plus en plus spectaculaire en ce jour de Noël. Ce que nous sommes en train de constater dans la ville de Pointe-Noire, la ville de Pointe-Noire est complètement envahie par la poubelle. Dans tous les artères où vous passez, vraiment, la poubelle est vraiment inondée. Dans toutes les artères. Tu commences Siafoumou, Koufoli, Patra, où que ce soit, vraiment la poubelle. Je ne sais pas si Averda ou Averda là, il fonctionne, je ne sais pas. Depuis 2015, la société libanaise Averda, spécialisée dans l'assainissement, travaille dans les communes de Brazzaville, Oyou et Pointe-Noire. L'une de ses missions principales est de faire que les quartiers résidentiels soient débarrassés des déchets produits au quotidien par les ménages. Mais hélas, nous avons remarqué depuis un certain temps, tous les bacs de la société Averda est plein. Je ne sais pas s'ils sont en insuffisance ou bien s'ils ne veulent plus travailler, mais on remarque que les voies principales sont bien balayées. Mais dans les bacs des quartiers, vraiment, c'est comme si nous étions abandonnés à nous-mêmes. Ça nous met toujours en insécurité sanitaire. Ces bacs débordants d'ordures peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé des populations, surtout pendant cette période de crise sanitaire de Covid-19, rappelle un citoyen de la ville de Pointe-Noire. Il y a un problème d'accord. Parce que Averda, c'est une société qui est venue s'implanter. Il y a eu l'accord avec l'État. Et quand vous allez voir qu'une société qui est en train de faire un travail à un certain moment, il a arrêté, c'est qu'il y a un problème. Si j'essaie de voir, le problème, ce n'est pas Averda. Sauf que le problème, c'est soit avec l'État. Parce que si l'État verse réellement ce qui a le droit d'Averda, il ne devait pas avoir le débordement. Parce que ce n'est pas ici, c'est partout. Devant ce qui apparaît comme un manquement au devoir de la société Averda qui serait en grève, les services de la municipalité de Pointe-Noire tentent de prendre la main malgré les défauts constatés dans la logistique et le personnel. Les pouvoirs publics sont appelés une fois encore à prendre cette situation à bras le corps pour le bien-être des populations.